premier épisode de la deuxième saison du balado Aller-Retour. Pour ceux qui se souviennent de la saison 1, on était sur la Côte-Nord avec ma soeur Marianne et cette année, pour la saison 2, on a traversé de rives. En fait, mm -hmm. on est allé au Bas-Saint-Laurent. Yes. Alors, pour ceux donc, euh, qui ont l'image, vous comprendrez, ou qui entendent la douce voix, vous comprendrez <laughs> oh là là, que ce n'est pas Marianne être... qui m'accompagne cette année pour cette saison, mais bien Alex, bienvenue. Oui, bien merci Sophie de l'invitation. Ça me fait fou plaisir d'être là. Puis euh, je pense qu'on va s'attendre à avoir des invités vraiment, euh, bien une belle diversité de gens qui viennent d'un peu partout, euh, puis qui, euh, qui ont, je pense, beaucoup à dire sur leur expérience à venir s'installer ici en région. Donc euh, on a aussi un nouveau, euh, nouveau segment qui s'appelle le segment Panorama. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu, Sophie? Ben oui, en fait, pour remettre en contexte, peut-être pour ceux qui n'ont pas écouté la saison 1, euh, le balado aller-retour, c'est un balado où on va à la rencontre. De jeunes et de moins jeunes. Juste, okay. on va à la rencontre de, de, de personnes qui sont vraiment impliquées et motivées par leur région. Pour la saison 1, on a rencontré beaucoup de jeunes qui venaient tout juste de revenir euh, sur la Côte-Nord, euh, qui étaient super motivés. Puis moi, je suis ressortie de la saison 1 avec vraiment une vision différente de ma Côte-Nord que je connais. Parce que, en fait, pour mettre en contexte, mm -hmm. moi, j'ai la Côte-Nord, mais j'habite à Montréal depuis bientôt dix euh, ans. Ça me rajeunit pas du tout. Euh, puis en fait, c'est que je me pose la question, est-ce que ma place est en région parce que je chante ben, l'appel, la région, de plus en plus. Depuis quelques puis, jours, hein? Bien, depuis quelques jours, quelques <laughs> années même. Puis j'ai l'impression que, euh, bien, autant je pourrais m'y plaire sur la Côte-Nord, je pense que je pourrais me plaire au Bas-Saint-Laurent. Donc, honnêtement, le balado, c'est juste une raison pour aller rencontrer les jeunes, puis juste me motiver mmh. encore plus, je pense, à revenir en région. Donc, comme tu disais précédemment, on a rajouté un nouveau segment pour, mmh. oui, découvrir des invités, mais découvrir des lieux aussi de la région. Donc, à chaque épisode, on va avoir une petite interlude d'une de, de minute. Pour, euh, pour ceux qui sont à l'audio euh, exclusivement, ça va être une petite capsule sonore qui va nous transporter dans un endroit tout autre que le lieu où nous nous trouvons. Mm -hmm. Et euh, en fait, ça nous permet de découvrir des lieux, euh, ben, des super de beaux lieux, des lieux cachés aussi, des lieux qu'on connaît moins, qui sont pas juste pour les touristes. Donc, euh, <laughs> c'est ça, on a une variété d'invités pour cette deuxième saison qui vont être vraiment excitants parce que c'est des gens qui viennent autant de l'entrepreneuriat, de la culture. Mm -hmm. on, a, on a vraiment comme un éventail très large ouais. de personnes. Puis comme tu le mentionnais plus tôt, il y a beaucoup de personnes, en fait, qui viennent... Du Bassin-Laurent, mais qui ont Exactement. choisi la région. Oui. Moi, je pense que c'est une région de coup de cœur, cette région. Bien, je pense que oui. Je pense que les gens qui viennent de l'extérieur. Qui visitent l'endroit finissent par s'y attacher puis décident de, de peut-être s'y En tout cas, c'est le cas pour plusieurs de nos invités cette saison-ci. Merci. comment ne pas tomber en amour avec le lieu où on mm -hmm. se trouve en ce moment? dans la ouais. artiste de Rimouski dans oui. les terres et on profite de ce paisible lac et de ces nombreux maringouins pour <laughs> se poser un peu. Ouais. Parce qu'en fait, c'est pas pour rien que tu coanimes avec moi cette saison. Mm -hmm. C'est que ton parcours, ben en fait, tu es natif de Rimouski oui exact. pour les études c'est là qu'on s'est rencontrés ça, ouais. faudrait, en fait il faudrait mentionner qu'on se connaît là on, oui, on, est on pas, est pas des les plus inconnus, inconnus on, on hum. s'est rencontré à Montréal euh, oui. pendant qu'on étudiait à Concordia en cinéma ouais. euh, puis on a on a travaillé ensemble aussi à, après ça dans fond sur des plateaux de tournage et ben toi tu viens de la, la Côte-Nord moi je viens du Bas-Saint-Laurent euh, on a passé beaucoup de temps à l'extérieur mais moi dans les dernières années j'y réfléchi, réfléchissais beaucoup aussi de, ouais. de revenir ici et j'ai pris la grande décision de, de, de revenir m'y établir par amour pour le fleuve, par amour pour euh, le Bas-Saint-Laurent. Euh, voilà. Mais c'est Donc... ça, est-ce que tu veux me parler un peu de, de ton parcours? C'est quand que tu es parti exactement? Bien, c'est ça. Moi, dans le fond, j'ai fait un an de cégep à Rimouski. Après ça, j'ai fait trois ans de, de cégep à Rivière-du-Loup en graphisme. Et euh, j'étais un peu à me poser la question qu'est-ce que je fais après ça? J'avais l'appel du cinéma euh, que déjà j'avais commencé au cégep à, à Rimouski. Et que j'étais un peu dans « Ah, je pense qu'il n'y a pas de, de, de possibilité, possibilité d'emploi là-dedans. » J'avais un peu peur. Finalement, je me suis dit « Je me lance. Mm » -hmm. Puis Montréal, c'était rendu un, un, un spot que je voulais vraiment comme, euh, découvrir. Puis je savais qu'il y avait une belle ouverture d'esprit des gens. Il y avait une belle euh, diversité euh, culturelle, et etc. Fait que, euh, dans le fond, en 2016, mm -hmm. j'étais allé euh, déménager à Montréal. J'habitais avec mon frère, avec euh, des amis, puis euh, on... J'ai étudié dans le domaine puis j'ai tripé ma Mais tu es resté longtemps quand même à Montréal. Ouais, sais, tu ben... viens tout juste de revenir, il faut le mentionner. Mais ça fait oui. comme, ça fait même pas un an encore. Fait pas, que tu es encore fraîchement, de fraîchement Montréal à Montréal. Oh, oui, exactement. Là. Pis, euh, mais le contraste est grand, en fait, parce que je, ouais. je le vois vraiment. Puis, tu sais, autant que j'ai aimé habiter à Montréal, euh, ici, c'est autre chose complètement. Là. On dirait que c'est le calme, c'est la nature complètement. Mais que... c'est ça, qu'est-ce qui te manquait quand tu étais à Montréal, du bassin saint laurent ben... Est-ce que, est que ça te manquait, en fait? Parce que ça se peut que... Oui. Tu sais, en tout cas, mettons, moi, mes premières années à Montréal, oui, je m'ennuyais énormément de ma Côte-Nord, je m'ennuyais de ces gens, surtout. Mm -hmm. Puis c'est, on dirait, avec les années que je me suis rendu compte à quel point il y avait quand même un manque dans ma vie de, de tout tout ce que ça comprend au niveau juste du calme, de la sérénité que ça peut apporter. Fait que toi, quand tu étais à Montréal, qu'est-ce qui te manquait de la région? Bien, c'est un peu comme toi. En fait, moi, je suis amateur, amatrice de, 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 de nature. Fait que justement, quand j'étais à, à Montréal, c'est sûr qu'il y, y a des parcs à Montréal. Oui. Il y, a, il y en a plusieurs, <laughs> mais c'est des petits parcs. Puis moi, je me rassasiais jamais de, 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 de ces parcs-là. À... J'avais besoin d'être un peu perdu dans, au fin fond d'une forêt ou des trucs comme ça. Fait que j'ai l'impression... Que plus le temps avançait à Montréal, puis que oui, j'avais des expériences euh, superbes euh, dans ce milieu urbain, mais j ça me manquait toujours, j'y pensais tout le temps. Mm -hmm. euh, mais sans nécessairement penser que je pouvais revenir m'installer ici. Fait que c'était vraiment plus une petite pensée au fond de ma tête, mais c est, c est, je pensais pas re revenir nécessairement. Puis pourquoi? Parce que es, c'est sûr que... là, tu l'as dit, étudiant en cinéma, fait il y a clairement un appel. Ouais. la scène culturelle montréalaise est, est, est énorme. Là. Genre, c'est vraiment là que ça se passe. Fait tu sais, pourquoi tu ne te voyais pas revenir? ben c'est juste que, tu sais, quand tu t'en vas aussi loin, puis que tu, tu apprends à te connaître aussi, puis tu te fais un, beau, un bon cercle d'amis. De, de, puis moi, c'est aussi ma famille choisie là-bas. Je veux dire, j'ai rencontré du, des, des gens de ma communauté euh, parce que je m'identifie comme une personne queer. Fait que c'était vraiment... Euh... Euh, difficile quand j'ai décidé de quitter là, de, 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 de mettre ça de côté puis mais je sais que c'est ça sera jamais fini au final mes, mes connaissances... Euh, ouais, mes connexions que j'ai fait là bas je vois toujours les avoir euh, proches de moi quand même ici oui. si, c'est quoi c'est acté à quel moment mettons, dans ta vie tu t'es dit ok là je pense que c'est parce que tu sais clairement ça c'était un désir qui devait être grandissant en toi fait c'est quoi le c'est quoi le moment où tu t'es dit ok je pense que c'est là que je fais que je fais le mot? ben moi c'est ça ben dans les dernières années, moi, on n'en a pas parlé tantôt, mais j'ai travaillé dans l'industrie du cinéma après mes études. Fait que dans le fond, j'ai fait un com de 5 ans comme assistant directeur artistique et art, euh, directeur artistique, mmh. euh, que j'ai beaucoup aimé, que j'aime toujours faire. Mais ça a été quand même difficile dans les dernières années au niveau de, 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 de la pression, je pense, que, que, qui se ressentait sur les plateaux ou en général la charge de travail qui était vraiment euh, grande. Puis autant que quand tu es passionné de quelque chose, tu es boosté à, à vouloir continuer puis à, à t'accrocher à ça. Mais des fois, quand le corps lâche, quand la tête lâche, ça devient comme difficile de de continuer là-dedans. Fait que moi, c'est ça qui s'est passé, dans le fond, les dernières années. Bien, les de... la dernière année, j'ai vécu des expériences qui étaient moins, euh, moins plaisantes. Puis je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que... Est... J'avais comme un appel à vivre autre chose, comme la fin d'un cycle, si on veut. Fait que là, à partir de ce moment-là, en fait, j'ai fini un contrat. J'étais à la Rimouski en vacances, deux semaines. Puis là, c'est comme si tout m'avait un peu apparu de genre... Sais, tout ce qui était dans ma tête depuis des années à revenir en région, c'est revenu. C'est quoi ça? C'est quoi ces, ces éléments-là qui te sont revenus? Qu'est-ce qui t'a frappé tu sais, quand es revenu, tu es que Tu disais OK, que c'est là que ça se passe. Mettons, autre ta fatigue mm -hmm. euh, accumulée de, de, toute, de toute la pression qui, qui ressort des tournages, qu'est-ce qui. En arrivant ici, j'ai. J'ai passé du temps avec, euh, avec euh, mes amis, j'ai rencontré de nouvelles personnes, parce que justement Rimouski, ça a bougé beaucoup dans les dernières années. Fait qu'à chaque fois que je revenais ici, rencontré du nouveau monde. Puis là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une communauté ici qui pourrait m'accueillir, puis que je pourrais rencontrer du monde qui font en sorte que je me sens chez moi. Puis c'est ça, moi, j'ai quitté euh, Rimouski vers l'âge de peut-être 19 ans environ. Puis c'était parce que je ne me sentais pas... Euh, accepté nécessairement dans ma... Il n'y avait pas vraiment de communauté LGBT à... ici. Puis c'était justement, je partais dans les grands centres pour vivre ça. Mais c'est quand je me suis rendu compte, dans les peut-être quatre dernières années, quatre, cinq dernières années, en ce que je pense que c'est ça, c'est la pandémie qui a amené quand même un mouvement euh, en région, des villes en région. Et euh, en revenant, mettons, pour des vacances, ben, je voyais qu'il y avait ces changements-là. Qui, qui arrivait, fait que ça me donnait confiance que si je revenais, j'allais être bien, puis que ça allait pas être un dilemme. Mais bah, tu ne revenais pas non plus en tant qu'Alex de 19 ans. ans. Non, c'est ça, ça, ça aussi. Là, tu reviens avec ta confiance que tu t'es bâtie avec le bagage que j'avais fait dans ces, ces années-là. Fait que j'étais moi-même pas la même personne nécessairement. Puis de voir que le monde avait évolué aussi en même temps, c'était positif parce que c'était une crainte que j'avais moi de revenir en région, m'établir, puis que ça l'ait pas évoluer. puis que là, c'était la raison pour laquelle je voulais pas revenir en fait. Mais là, c est, c est, vu que j'ai vu que c'était positif, ça m'a donné un peu le feu vert. C'est ça, exactement, de, de revenir ici. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'a surpris ou qui t'a marqué quand t'es revenu? J'avoue qu'il y a comme un. une un espèce de moment de flashback, si on veut, de revivre des des, 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 des scènes ou des. juste, mettons, retourner chez mes parents puis me promener dans le, la rue ou ce que j'ai tout le temps des marches avec ma mère ou des trucs comme ça, c'est vrai qu'il y avait un peu cette nostalgie-là euh, de retrouver des lieux que j'avais plus jeune découvert, mais que là, j'avais je, 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 une vision un peu différente, mais qui était tout restait pareil un peu aussi mm -hmm. en même temps. Puis en fait, c'est ça l'effet de la nature, c'est que oui, les arbres grandissent, mais en même temps, les lieux sont les mêmes. Mais est-ce que je peux faire, me permettre de prendre cette, cette réponse au rebond Oui, ça, oui, je veux savoir faire le segment panorama. Oh mon dieu, oui <laughs> s'il te plaît. Est-ce qu'on peut parler de ça comme on l'a mentionné tantôt, le Segment Panorama, c'est qu'on revisite, mais pas on revisite, non, juste on visite point. On visite, point, oui, <laughs> on oui. visite un lieu euh, qui est cher à notre invité. Là, aujourd'hui, c'est notre invité, d'ailleurs. On ne l'a pas mentionné, mais donc, oui, tu vas co-animer avec moi, mais t'es comme notre premier oui. invité. Oui, c'est ça, c'est vrai. On l'a-tu dit? On l'a-tu dit? On le dit, là. Il dit trop tard. <laughs> non. <rire> donc, on s'offre le Segment Panorama avec toi. Oui. J'aimerais que tu nous parle du lieu que tu as sélectionné qu'on est allé voir en fait euh, on va pas le mentir on est allé voir cet après-midi exactement sous le grand soleil ça paraît pas mais il faisait soleil c'est ouais, là ouais. qu'on a pris nos couleurs ouais. parle-nous donc du lieu ben c'est ça nous on est allé euh, pour mon, mon, mon lieu coup de cœur si mm. on veut au chute neigette euh, puis moi c'est ça tu m'avais posé la question quel lieu euh, est-ce que j'ai goût de, de discuter qui me marqué d'une certaine façon puis en fait, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits à Rimouski que quand j'étais jeune, j'allais chiller ou genre que des spots avec des amis qu'on qu prenait une bière ou, ou peu importe. Puis j'en avais plusieurs à te donner. Puis là, je suis arrivé à, au Chute-Neigette parce que c'est un endroit que je trouve magnifique. C'est euh, juste vraiment une magnifique chute. Puis euh, où est-ce que tu peux aller de baigner Il y a des endroits avec des rochers, euh, tu peux faire un peu de hiking, puis te promener un peu plus haut. Mais euh, c'est un endroit que une belle journée été, là, en été avec euh, le ciel clair, euh, ça fait du bien à, à aller se faire griller mmh. sur les rochers. Mais sincèrement, c'est un très beau lieu que j'ai adoré découvrir. Oui. Donc, merci, merci pour ça. Et euh, en fait, euh, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton quotidien en fait, au Bassin-Laurent. Dans ta vie, Rimousquoise, oui. à quoi ressemble ton quotidien? Euh, ben c'est ça. Moi, je, je, je continue à travailler sur mes projets personnels. Je, je travaille sur des tournages bien, qui sont ici, dont mm -hmm. euh, un, le film, le court-métrage de Nora qu'on a aussi On invité sur le podcast. Tout fait un peu un, une boucle en tout. Est... Ouais. Tout est dans tout. Tout est connecté. c'est que, voilà. euh, que Ça me permet quand même de... de, de, de d'avoir un peu de ma vie à Montréal mais ici puis comme je disais faire mes projets aussi personnels euh, comme ce podcast-ci absolument mais okay. c'est ça moi je trouve ça très inspirant de, de voir que tu ramené un peu de que tu continues à créer puis comme on disait aussi hors caméra j'ai mmh. l'impression que en terminant le cycle des plateaux de tournage effréné de cinéma de télé de tout oui. ce que tu veux et ça, ça te laisse aussi plus de place pour créer clairement t'sais, moi je pense que c'est quelque chose qui m'appelle beaucoup de, de faire plus de place dans la vie pour créer réaliser des trucs écrire ah, mais oui c'est exactement comme tu le dis euh, tu sais ton expérience toi de on a un peu je veux dire on a un peu l'expérience similaire au niveau de on fait de la direction artistique etc toi est-ce que comment tu trouves ça justement parce que tu es toujours à Montréal moi je suis toujours à Montréal et je cherche toujours ma place oui ok dans les régions du ouais. Québec <laughs> est-ce que si tu veux te faire accepter par les régions tu veux bien, -être... en fait ben je me sens très région dans moi depuis toujours si ben oui. je sais ça ne quitte jamais même après 10 ans honnêtement ça ne va jamais quitter parce que j'ai un besoin de créer mais j'ai surtout un besoin de créer en région parce que tous les projets mm. que je j'initie j'ai l'impression mais ben pas j'ai l'impression c'est ça se passe en région. Ça imprègne de ton expérience. J'ai besoin de faire des trucs à propos de la région, sur la région, tu sais. Fait que j'ai comme l'impression que c'est un beau signe d'avis de Jean ma belle, c'est temps que je en région. Fait que bref, le boss anorame, je ne cacherai pas que le boss en anorame me fait de l'œil aussi. Et puis, je suis complètement excitée de rencontrer toutes les personnes qu'on va rencontrer dans les prochains jours pour tous les épisodes qui s'en viennent. Comme on a dit, on a autant des gens de tellement de milieux différents, mais juste des gens qui sont tellement impliqués et motivés. Ouais. Moi, juste juste en fait, les pré-entrevues qu'on a fait, les discussions qu'on a eues au téléphone avec nos invités m'ont déjà tellement motivé, m'ont montré à quel point il y a une super belle communauté de, de gens ici, de mm -hmm. jeunes qui sont super motivés. Puis euh, ce que je trouve beau aussi, c'est, je pense que tu l'as mentionné tantôt, il y a beaucoup de jeunes, en fait, je pense que la majorité de nos invités sont pas des gens natifs euh, natifs du Bas-Saint-Laurent, mais mm -hmm. bien des gens de l'extérieur, ouais. de peu importe où, puis qui ont décidé de choisir le Bas-Saint-Laurent. Bref, tout ça pour dire que. Je crois que ça va me donner un, un beaucoup de motivation pour, euh, pour la suite des choses. Bien, oui. On ne sait pas, pas c'est laquelle, mais je pense qu'on pourrait peut-être finir l'épisode là-dessus. Je ne sais C'est une belle, euh, belle conclusion. On pourrait peut-être y aller avec nos remerciements juste parce que le lieu dans lequel nous sommes, près du lac, on ne l'a pas décrit à l'audio. On, on est sur un petit quai ouais. euh, à Saint-Arcisse-de-Rimouski dans les terres. Il fait un temps doux, juste assez petit pull, mais pas petit trop. Petit pull, mais ouais, on se les gèle pas, mettons. Alors, euh, on est chez Marise et Yvan et Mélina dans mmh. leur magnifique domaine est-ce qu'on peut dire un domaine c'est un, un, un domaine c'est un domaine c'est magnifique c'est le lac est calme il y a des petites truites qui ont sauté des petits ouais. oiseaux qui ont passé moi je, je... Je peux passer, dans le fond, la graisse de la vie ici. Là. Donc, on peut peut-être passer au remerciement. on remercie nos, nos autres de nous recevoir sur leur fabuleux terrain, mm -hmm. on veut remercier évidemment Benjamin, Benjamin à la technique. Merci beaucoup. Oui, salut. <laughs> Et moi, je veux te remercier, Alex, de premièrement embarquer dans le projet. Oui, merci. De co-animer avec moi, d'avoir aussi euh, fait le lien avec plusieurs de nos invités qui sont des amis, des connaissances. Mm -hmm. Ça nous a juste amené tellement une belle brochette de gens. Fait que je veux te remercier pour euh, ben, ton merci mission. beaucoup. Euh, je l'accepte. <laughs> Puis, ben merci à toi, euh, toi, l'initiatrice du projet aller-retour que tu as produit la, la saison ben, tu vas tu vas... Bien, on le fait la saison 1 saison <laughs> 2 j'ai la saison 1 puis ben, moi c est c est bien, bien. on s'en parlait puis je me suis... on... on se disait que ça pouvait se passer aussi à beaucerre c'est tout, natu c c tout naturel. naturel aussi que tu co-animes avec moi je pense de, de reprendre le flambeau à Marianne qui te, 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 te laissé la place pour l'animation ben, ça me fait fou le plaisir fait que je veux te remercier à ce niveau merci à tous donc, bonne suite des épisodes. <laughs> On a oublié d'inviter les gens à écouter la saison 1. Ah, écouter la saison 1 aussi qui est disponible sur la chaîne. chaîne YouTube de ma communauté. Exactement. Bisous. Bisous. À ne pas manquer. Bisous.